Le jeûne séquentiel dont j'ai parlé est essentiel. C'est spectaculaire de voir à quel point les gens qui suivent quotidiennement cette forme de jeûne séquentiel rajeunissent et ont un système immunitaire de belle qualité. Deuxième point, de lutter contre l'excès de poids. 30% de calories en moins, ben c'est 20% de vie en plus. Et c'est pour ça que dans le livre, je conseille des tas de coupe-faim naturels pour maîtriser son poids naturellement toute l'année, parce que l'excès de poids, en dehors des problèmes esthétiques, donne des problèmes de risque de cancer qui augmente en flèche, de risque cardiovasculaire. Donc vraiment, c'est très mauvais. Donc le poids et le jeûne. Troisième chose essentielle, c'est bien évidemment d'avoir un sommeil de qualité, 7h30 par nuit, parce qu'on se répare pendant le sommeil. Et on a découvert que quand on dort mal, on devient plus vulnérable. Des petits conseils simples que je donne, par exemple, il faut le noir complet dans la chambre, il faut de la fraîcheur. Et moi, il y a aussi des exercices respiratoires. C'est comme un masque d'anesthésie. On se rendort tout de suite. Vous verrez, faites le test, vous verrez, ça marche très bien. Quatrième sujet important, c'est aussi de faire de l'exercice physique tous les jours. 30 minutes d'exercice physique par jour, c'est formidable. Ça baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Les 20 premières minutes, on brûle du sucre. Après, on libère 1004 molécules protectrices. C'est un bouclier. Ça fait... Donc, il y a des gens qui disent « Oui, mais je n'ai pas le temps. » Ce n'est pas vrai. Je suis sûr que tous qui nous écoutez, vous passez au moins une demi-heure par jour, téléphone, message sur le téléphone, etc. Et ben faites-le sur un vélo d'appartement. Vous verrez, ça passe comme une lettre à la poste. Ben moi, c'est ce que je fais tous les matins. J'en fais 40 minutes. Dernier conseil, c'est vrai que la sexualité fait partie aussi de la bonne santé. Comme l'a dit même notre pape actuellement, c'est important. Et en particulier dans le livre, je me suis intéressé à la médecine tantrique en Inde, où ils ont une expérience très intéressante au niveau du tantrisme, c'est-à-dire d'apprendre à l'homme à maîtriser son éjaculation pour arriver à ce qu'on appelle un orgasme sec. Il y a des points d'écartement des cuisses, des points de pompe, qui permettent de maîtriser parfaitement, et des points d'excitation pour la femme comme pour l'homme, c'est des points avec une simple pression. Et l'idée, c'est de célébrer le couple, la femme et l'homme, pour accéder à une spiritualité par le véhicule de la sexualité, mais d'une sexualité respectueuse et qui vise à justement augmenter la puissance de la spiritualité. C'est à l'inverse de la pornographie, de toutes ces choses qui traînent. Et j'ai trouvé cette approche millénaire du tantrisme en Inde, dans ces textes religieux d'époque, formidable.